Salut, witamy na kolejnej lekcji języka francuskiego, najprawdziwszej. To są dopiero początki, jeszcze najgorsze nie jest za mną, czyli takich pierwszych pięć książkowych lekcji, pierwszy pięć książkowych, to jest tu się nazywa dossier, czyli taki pierwszy moduł. No i mam nadzieję, że jak każdy przejdzie pierwszy moduł, to wtedy jest mu o wiele łatwiej, a najlepiej jak tych modułów jest ze 4, czyli takich 20 lekcji, wtedy znacznie łatwiej to idzie. Ale co by to nie było, to zawsze te początki są trudne i właśnie jesteśmy na tym etapie. Okay. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va commencer par les mots que tu te souviens de notre dernière session. Tu peux me dire trois mots que tu te souviens. Salut, bonsoir. Et enchanté. Merci. Okay. On va continuer. Je vais juste te donner trois mots que tu vas utiliser, puis tu me donnes des phrases. Mm-hmm. Okay. Le premier mot, c'est mon. Mon. Et quel est mon nom? Exactement. Le deuxième mot, c'est salut. Salut Benny. Ok. Le troisième mot, c'est double. Double 5, double 2, double 4. Ok. Alors, on va continuer avec quelques révisions pour les dernières leçons qu'on a apprises. On va commencer par faire français, polonais, et puis on va continuer avec les questions. Alors le premier mot c'est prénom. Prénom, imię. Nom. Nom, nazwisko. Quel. Quel, jaki. Quel est. Quel est, jaki jest. Quel est votre prénom. Mon prénom, Leszek. Jaki jest pana, pani prénom, imię? Quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Jaki jest twoje imię? Et quel est ton nom? Et quel est ton nom? Jakie jest twoje nazwisko? Continue avec des questions. Quel est ton prénom? Mon prénom, Leszek. Quel est votre nom? Mon nom, Abigawa. Et quel est votre prénom? Mon prénom, Leszek. Ok. On continue avec disons, français polonais. Je m'appelle. Je m'appelle, nazywam się. Tu t'appelles. Tu t'appelles, ty nazywasz się. Comment. Comment, jak. Salut. Salut, cześć. Ok, on continue avec des questions. Salut, je m'appelle Benny. Et salut, je m'appelle Leszek. Comment tu t'appelles. Et je m'appelle Leszek. Comment vous vous appelez. Et je m'appelle Leszek. Exactement. On continue avec transition de français polonais. Comment allez-vous? Et comment allez-vous, jak ci idzie? Comment vas-tu? Comment vas-tu, jak ci idzie, jak ci leci? Très bien, merci. Très bien, merci. Bardzo dobrze, dziękuję. On continue avec des questions. Salut. Et salut. Comment allez-vous? Et très bien, merci. Comment vas-tu? Et va bien, merci. Ok. On continue aussi avec disons transition de français polonais. Comment ça va? Comment ça va? Jak ci idzie? Ça va. Ça va dobrze. Tout va bien. To va bien, wszystko dobrze. Pas mal. Pas mal, nieźle. Continue avec des questions. Salut, comment ça va? Salut, ça va bien. Comment vas-tu? Va bien, merci. Tout va bien? Oui, va bien. Pas mal, non, mal. Oui, c'est ça. Pas mal. Pas mal. Voilà. Pas mal. Okay, on va continuer avec la transition depuis français, polonais. I forgot how to say translating in French. I completely forgot the word. No, this, don't explain. Ah, ok. Français, polonais. Français, polonais. Je. Je, ya. Tu. Tu, te. Il. Il, on. Elle. Elle, on. Nous. Nous, me. Vous. Vous, ve. Il. Il, on. Elle.
Elle, on a. Exactement. On continue aussi avec français et polonais. Je m'appelle. Et je m'appelle, nazywam się. Tu t'appelles. Tu t'appelles, ty nazywasz się. Il s'appelle. Il s'appelle, on nazywa się. Elle s'appelle. Elle s'appelle, ona nazywa się. Nous nous appelons. Nous nous appelons, my nazywamy się. Vous vous appelez. Vous vous appelez, wy nazywacie się. Il s'appelle. Il s'appelle, oni nazywają się. Elle s'appelle. Elle s'appelle, one nazywają się. Et. Et. I. Exactement. Continuons avec les questions. Salut, comment tu t'appelles? Et salut, je m'appelle Leszek. Comment vous vous appelez? Et je m'appelle Leszek. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marie. Comment vous vous appelez? Et nous nous appelons Pierre et Leszek. Et comment nous nous appelons? Nous nous appelons Benny et Leszek. Exactement. On continue avec français et polonais, la transition. Enchanté. Enchanté, miłomi. Enchanté. Enchanté. Enchanté, miłomi, rozejrzeński. Ravi de vous connaître. Ravi de vous connaître, miło, vous, pana, panią poznać. Ravi de vous connaître. Ravi de vous connaître, miło was poznać. Bonjour. Bonjour, dzień dobry. Exactement. On continue avec des questions. Bonjour, comment allez-vous? Et bonjour, ça va? Très bien, bonjour. Merci. Très bien, merci. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Leszek. Je suis Béni, ravi de vous connaître. Et je suis Leszek, enchanté. Je suis Béni, ravi de vous connaître. Et je suis Leszek, enchanté. On va juste répéter pour que tu puisses comprendre mieux. Bonjour, comment allez-vous? Et très bien, merci. Comment vous vous appelez? Et je m'appelle Leszek. Je suis Béni, ravi de vous connaître. Je suis Leszek, enchanté. Ok, on continue. On continue avec français et polonais. Salut. Salut, cześć. Bonsoir. Bonsoir, dobry wieczór. Bonne nuit. Bonne nuit, dobranoc. Au revoir. Au revoir, do widzenia. A bientôt. A bientôt, do zobaczenia. Exactement. Continue avec des questions. Salut Leszek. Salut Benny. À bientôt. À bientôt. Bonsoir Leszek. Bonsoir Benny. Et à bientôt. Non. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir Leszek. Au revoir Benny. Bonne nuit Leszek. Bonne nuit Benny. Salut, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Leszek. Comment vas-tu? Très bien, merci. Exactement. On continue avec français et polonais. Mon. Et mon, mój. Ton. Ton, twój. Son. Son, jej. Votre. Votre, vache. Ok. On continue avec des questions. Quel est votre prénom? Et mon prénom est Leszek. Quel est ton prénom? Mon prénom est Leszek. Quel est ton prénom? Mon prénom est Leszek. Quel est mon prénom? Ton prénom est Benny. Et quel est son prénom? Son prénom est Marie. On continue avec, disons, compter. On va commencer à compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On répète. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Et 6, 7, 8, 9, 10. Exactement. On continue avec français et polonais. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone, numéro de téléphone. 0. 0, 0. Double. Double podwójne. On continue avec des questions. Quel est ton numéro de téléphone? Et mon numéro de téléphone est 4, 5, 6, 8, 9. 1 et double 2, 3. Ok. Et quel est votre numéro de téléphone? Et mon numéro de téléphone est 742-242-007. Ok. Et quel est son numéro de téléphone? Son numéro de téléphone est le 1-2-3-4-3-4-5-6-9. Et quel est ton numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone est 729-128-129. Ok, on continue.
avec français polonais. Est-ce que... Est-ce que je... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Czy to jest? On continue avec français polonais. Femme. Femme, kobieta. Homme. Homme, mężczyzna. Élève. Élève, uczeń. Étudiant. Étudiant, student. Étudiante. Étudiante, studentka. Professeur. Professeur, nauczyciel. Oui. Oui, tak. Exactement. On continue avec des questions. Est-ce que c'est un professeur? Oui, c'est un professeur. Est-ce que c'est une étudiante? Oui, c'est une étudiante. Est-ce que c'est une femme? Oui, c'est une femme. C'est une femme. Une femme. Est-ce que c'est un homme? Oui, c'est un homme. Est-ce que c'est une étudiante? Oui, c'est une étudiante. Est-ce que c'est un élève? Oui, c'est un élève. Ok. On continue avec français polonais. Je suis. Et je suis à Yestem. Tu es. Tu es à Yestech. Il est. Il est en Yest. Elle est. Elle est en Yest. Nous sommes. Nous sommes Yestechmy. Vous êtes. Vous êtes Yestechcie. Ils sont. Ils sont en Yestem. Elles sont. Elles sont en Yestem. Exactement. On continue avec français polonais. Est-ce que tu es? Est-ce que tu es, czyli jesteś? Est-ce que tu es, czyli jesteś? Est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes, czy pan, pani jest? Czyli jesteście? Ok. Et puis on continue avec français, polonais. Médecin. Médecin ou lekarz. Chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi, taksówkarz. Pilote. Pilote, pilote. Plombier. Plombier, hydraulique. Électricien. Électricien électrique. Ok. Est-ce que tu es plombier? Oui, je suis plombier. Est-ce qu'il est pilote? Oui, il est pilote. Est-ce qu'il est médecin? Oui, il est médecin. Est-ce que vous êtes chauffeur de taxi? Oui, je suis chauffeur de taxi. Est-ce que vous êtes électricien? Oui, je suis électricien. On continue avec le français polonais. Infirmière. Infirmière, pielęgniarka. Secrétaire. Secrétaire, sekretarka. Programmeur. Programmeur, programista. Serveur. Serveur, kelner. Serveuse. Serveuse, kelnerka. Négation. Négation, negacja. Non. Non, nie. Exactement. On continue avec les mots qu'on utilise pour négation. Je vais juste dire, les mots positifs et puis tu me donnes la négation. Exemple, je suis, je ne suis pas. On continue. Tu es. Et tu n'es pas. Il est. Il est, il n'est pas. Elle est. Elle est, elle n'est pas. Nous sommes. Nous sommes, nous ne sommes pas. Vous êtes. Vous êtes, vous n'êtes pas. Ils sont. Ils sont, ils ne sont pas. Elles sont. Elles sont, elles ne sont pas. Exactement. On continue avec des questions. Est-ce que je suis étudiant? Et non, tu n'es pas étudiant, tu es professeur. Exactement. Est-ce que tu es pilote? Non, je ne suis pas pilote, je suis étudiant. Exactement. Est-ce qu'elle est secrétaire? Non, elle il n'est pas. Ah, il n'est pas secrétaire, il est programmeur. Est-ce que vous êtes programmeur? Et non, je ne suis pas programmeur, je suis plombier. Est-ce que vous êtes programmeur? Vous êtes programmeur. Et non, nous ne sommes pas programmeurs, nous sommes infirmières. Infirmier. Infirmier. Pour masculin. Est-ce qu'elles sont serveuses? Et non, elles ne sont pas serveuses. Elles sont électriciennes. Exactement. On continue avec français, polonais. Présent. Présent, obecne. Présente. Présente, obecna. Absent. Absent, nieobecne. Absente. Absente, nieobecna. Continue avec des questions. Est-ce que tu es présent? Eh oui, je suis présent. Exactement. Est-ce que
Béni est absent. Et non, béni n'est pas absent, béni est présent. Mm-hmm. Est-ce que Madeleine est présente? Et oui, Madeleine est présente. Mm-hmm. Est-ce que le professeur est absent? Et non, le professeur n'est pas absent, le professeur, il est présent. Exactement. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous êtes présent? Et oui, je suis présent. Mm-hmm. Est-ce qu'elle est absente? Et non, elle n'est pas absente, elle est présente. Exactement. On continue avec français, polonais. Ouvrier. Ouvrier robotnik. Ouvrière. Ouvrière robotnica. Caissier. Caissier caissière. Caissière. Caissier caissierka. Photographe. Photographe photographe. Mm-hmm. On continue avec les questions. Est-ce que vous êtes photographe? Et non, je ne suis pas photographe, je suis étudiant. Mm-hmm. Est-ce qu'elle est caissière? Et non, elle n'est pas caissière, elle est infirmière. Mm-hmm. Est-ce que le caissier est présent? Et oui, le caissier est présent. Mm-hmm. Est-ce que la caissière est présente? Et oui, elle est présente. Est-ce que vous êtes ouvrier? Et non, je ne suis pas ouvrier, je suis médecin. Exactement. On continue avec français, polonais. Dentiste. Dentiste, dentistin. Chirurgien. Chirurgien ou chirurg. Commerçant. Commerçant ou sprzedawca. Directeur. Directeur, directeur. Mm-hmm. On continue avec des questions. Est-ce qu'il est chirurgien? Oui, elle est chirurgien. Il est chirurgien. Mmh. Est-ce que vous êtes infirmier? Et non, je ne suis pas infirmière, je suis... infirmier. Infirmière. Mmh. Je suis... plombier. Exactement. Est-ce que vous êtes dentiste? Et non, je ne suis pas dentiste, je suis élève. Mmh. Est-ce que Paul est médecin? Et oui, Paul est médecin. Mm-hmm. Est-ce que nous sommes commerçants? Et non, nous ne sommes pas commerçants. Nous sommes professeurs et étudiants. Exactement. On continue avec français, polonais. Monsieur. Monsieur Pan. Madame. Madame Pani. Mademoiselle. Mademoiselle Pan. Exactement. On continue avec des questions. Est-ce que vous êtes monsieur l'échec? Oui, je suis monsieur l'échec. Exactement. Est-ce que c'est madame la dure? Oui, c'est madame la dure. Est-ce que vous êtes mademoiselle Poirot? Non, je ne suis pas mademoiselle Poirot, je suis monsieur l'échec. Exactement. Alors, on continue avec... français, polonais. D'où viens-tu? Et d'où viens-tu, skąd pochodzisz? D'où venez-vous? D'où venez-vous, skąd pan, pani pochodzi? Je viens de. Je viens de, pochodzę z. Exactement. On continue avec français, polonais. Espagne. Espagne, Hiszpania. Angleterre. Angleterre, Anglia. Italie. Italie, Włochy. France. France, Francja. Pologne. Pologne, Polska. Turquie. Turquie, Turcia. Belgique. Belgique, Belgia. Mm-hmm. On continue avec français, polonais. Je viens. Je viens, je pochodzę. Tu viens. Tu viens, tu pochodzisz. Il vient. Il vient, on pochodzi. Elle vient. Elle vient, on a pochodzi. Nous venons. Nous venons, my pochodzimy. Vous venez. Vous venez, wy pochodzicie. Ils viennent. Ils viennent, on y pochodzą. Elles viennent. Elles viennent, on y pochodzą. Exactement. Continue avec des questions. D'où viens-tu? Et je viens de Pologne. Mmh. D'où vient Madame Dubois? Et Madame Dubois vient de France. Exactement. D'où est le professeur? Et le professeur vient de France. Il est de France. Mmh. D'où est Pierre? Et Pierre est d'Italie. Exactement.
d'où viennent messieurs et madame Sanchez? Madame. Ils viennent d'Espagne. Exactement. Est-ce qu'elle est de Pologne? Non, elle n'est pas de Pologne. Elle est de France-Belgique. Exactement. Est-ce que vous êtes d'Italie? Vous êtes d'Italie. Non, je ne viens d'Italie. Je ne suis pas d'Italie. Je suis de Pologne. Exactement. Est-ce que vous venez de France? Non, je viens de Pologne. Est-ce que le professeur vient d'Angleterre? Non, le professeur vient de France. On va répéter encore pour réviser encore. D'où viens-tu? Je viens de Pologne. D'où vient Madame Dubois? Madame Dubois vient de France. D'où est le professeur? Le professeur, elle vient de France. Est de France. Exactement. D'où est Pierre? Pierre est de France. Exactement. De Belgique. Oui, si. D'où viennent monsieur et madame Sanchez? Et monsieur et madame Sanchez viennent d'Espagne. Est-ce qu'elle est de Pologne? Non, elle est de Turquie. Est-ce que vous venez de France? Non, je viens de Pologne. Où? Non, je ne suis pas. Je ne suis pas de France, je viens de Pologne. Est-ce que vous venez de France? Non, je ne suis pas de France, je suis de Pologne. Est-ce que tu viens de Belgique? Non, je ne suis pas de Belgique. Je suis d'Angleterre. Est-ce que le professeur vient d'Angleterre? Non, il ne vient pas. Il ne vient pas d'Angleterre, il vient de France. Exactement. On continue avec français, polonais, pays. Pays, kraj. Ville, miasto. Capitale, stolica. Paris, Paryż. Varsovie, Warszawa. On continue avec des questions. Est-ce que la Pologne est un pays? Oui, la Pologne est un pays. Exactement. Est-ce que Varsovie est une ville? Oui, Varsovie est une ville. Est-ce que Paris est la capitale de la France? Oui, Paris est la capitale de la France. Exactement. Est-ce que la Belgique est une ville? Oui, Belgique est une ville. Exactement. On continue avec français, polonais. D'où? D'où vient Scone? Où, gdzie? Londres, London. Rome, Jeune. Berlin, Berlin. Grande Duge. Petite Mauer. On continue avec des questions. Est-ce que Londres est une petite ville? Non, Londres n'est pas une petite ville. Londres est grande. Est une grande ville. Exactement. Est-ce que Paris est une grande ville? Oui, Paris est une grande ville. Est-ce que l'Espagne est un grand pays? Oui, l'Espagne est un grand pays. On continue avec l'application des articles définis, le, la, les. On va les appliquer avec des pays. La France, la Pologne, la Turquie, la Belgique, l'Allemagne. Et puis le Portugal, le Canada. Et puis les États-Unis.
Alors, on continue avec des questions. Où est Rome? Rome est en Italie. Où est Berlin? Berlin en Allemagne. Exactement. Où est Lisbonne? Lisbonne au Portugal. Et où? Et au Portugal. Où est New York? New York est aux États-Unis. Est-ce que Paris est en Italie? Et oui, Paris est. Paris n'est pas en Italie. Paris est en France. Est-ce que Bruxelles est la capitale de la France? Non, Bruxelles n'est pas la capitale de la France. Bruxelles est la capitale de la Belgique. On continue avec français, polonais. Norvège. Norvège, norvégien. Colombie. Colombie, colombien. Danemark. Danemark, italien. Copenhague. Copenhague, Copenhague. On continue avec des questions. Où est Oslo? Et Oslo est en Norvège. Est-ce que Copenhague est en Norvège? Et oui, Copenhague est en Norvège. Copenhague non, non. Est pas en Norvège. Copenhague est en Danemark. En Danemark. Est-ce que Londres est la capitale de l'Angleterre? Et oui, Londres est la capitale de l'Angleterre. Où est Bogota? Bogota est en Colombie. La capitale de Danemark, c'est Copenhague. Et oui, la capitale de Danemark est Copenhague. C'est Copenhague. On continue avec français, polonais. Suisse. Suisse, Schweizerien. Chine. Chine, Chine. Égypte. Égypte, Égypte. Japon. Japon, Japonia. Amérique du Nord. Amérique du Nord, Amérique północna. Amérique du Sud. Amérique du Sud, Amérique południowa. Asie. Asie, Asia. Europe. Europe, Europa. Afrique. Afrique, Africa. On continue avec des questions. Où est la Chine? Et la Chine est en Asie. Où est la Suisse? Et la Suisse est en Europe. Où est le Japon? Le Japon est en Asie. Où est la Colombie? Et la Colombie est en Amérique du Sud. Sud. Où est le Canada? Le Canada est en Amérique du Nord. Où est l'Égypte? L'Égypte est en Afrique. Est-ce que Tokyo est la capitale du Japon? Oui, Tokyo est la capitale de Tokyo. Du Japon. Du Japon. Est-ce que Berne est la capitale de la Suisse? Et oui, Berne est la capitale de la Suisse. Où est Pékin? Pékin est en Chine. On continue avec français, polonais. Chaise. Chaise, chaise. Table. Table, stół. Livre. Livre, książka. Tableau. Tableau, tapisa. Exactement. On continue encore avec quelques, disons, l'application des articles indéfinis. Une rodzajnik nieokreślony, un nieokreślony męski. Des liczba mnoga nieokreślona. Ok. On continue avec des questions. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est? Co to jest? Qu'est-ce que c'est? Question. Qu'est-ce que c'est? Ah, et c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Qu'est-ce que c'est? Et c'est une chaise. Est-ce que c'est une table? Oui, c'est un table. Est-ce que c'est un tableau? Oui, c'est un tableau. Exactement. On continue avec français, polonais. Fenêtre.
Fenêtre, okno. Porte. Porte, drzwi. Cahier. Cahier, zeszyt. Page. Page, strona. Stylo. Stylo, długopis. Crayon. Crayon, ołówek. On continue avec français polonais. Est-ce que c'est? Est-ce que c'est? Czy to jest? Est-ce que c'est son? Est-ce que ce sont? Czy to są? On continue avec des questions. Est-ce que c'est une fenêtre? Oui, c'est une fenêtre. Est-ce que c'est un cahier? Et oui, c'est un cahier. Est-ce que ce sont des stylos? Oui, ce sont des stylos. Est-ce que ce sont des portes? Oui, ce sont des portes. Est-ce que ce sont des chaises? Oui, ce sont des chaises. Exactement. On continue avec l'application de, des articles définis à pluriel. Alors, la chaise... Les chaises, le crayon, les crayons. Ok, le traduire. La chaise. Et la chaise que j'assois. Les chaises. La chaise que j'assois. Le crayon. Le crayon ovec. Les crayons. Les crayons ovki. Exactement. On continue avec français, polonais. Bureau. Bureau. Lampe. Lampe. Dictionnaire. Dictionnaire. Słownik. Clé. Clé. Klucz. On continue avec les questions. Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Est-ce que c'est une lampe? Oui, c'est une lampe. Est-ce que ce sont des dictionnaires? Oui, ce sont des dictionnaires. Est-ce que c'est un bureau? Oui, c'est un bureau. Est-ce que ce sont des stylos? Oui, ce sont des stylos. On continue avec la traduction de français en polonais. Ouvert. Ouvert, otwarte. Ouverte. Ouverte, otwarta. Fermé. Fermé, zamknięte. Fermé. Fermé, zamknięte. Exactement. On continue avec des questions. Est-ce que la porte est ouverte? Non, la porte n'est pas ouverte. La porte est fermée. Est-ce que la fenêtre est ouverte? Non, la porte la fenêtre n'est pas ouverte. La porte la est... fenêtre est la fenêtre est fermée. Est-ce que le livre est fermé? Oui, le livre est fermé. Est-ce que le livre est ouvert? Oui, le livre est ouvert. Exactement. On continue avec traduction français polonais. Haut et wysoki. Haute. Haute, wysoka. Bas niski. Basse niska. Tour Eiffel. Tour Eiffel, wieża Eiffla. Océan Atlantique. Maison dom. Magasin sklep. Exactement. Est-ce que le magasin, on continue avec des questions, est-ce que le magasin est grand? Oui, le magasin est grand. Est-ce que l'océan Atlantique est petit? Non, l'océan Atlantique est grand. L'océan Atlantique est grand. Exactement. Est-ce que la maison de Paul est fermée? Oui, la maison de Paul est fermée. Est-ce que la tour Eiffel est basse? Non, la tour Eiffel n'est pas basse, la tour Eiffel est haute. Haute. Est-ce que le bureau est haut? Non, le bureau n'est pas haut, le bureau est bas. Exactement.
On continue avec la traduction de français en polonais. Excusez. Sous. Sous pot. Sur. Sur nat. Exactement. On continue avec des questions. Est-ce que le crayon est sur la table? Oui, le crayon est sur la table. Est-ce que ce sont des bureaux? Oui, ce sont des bureaux. Exactement, oui. Où est les livres? Où sont les livres? Où sont les livres? Les livres sont sur la table. Exactement. On continue avec la traduction d'un seul mot en polonais. Où? Où, gdzie? On continue avec des questions. Est-ce que le stylo est sur... Où est le... Ok. Est-ce que le stylo est sur la table? Oui, le stylo est sur la table. Est-ce que le Tour Eiffel est à Paris ou à Londres? Et la Tour Eiffel est à Paris. Est-ce que ce sont des livres? Non. Des cahiers? Est-ce que ce sont des livres ou des cahiers? Et ce sont des livres. Est-ce que ce sont des crayons? Est-ce que ce sont des crayons ou des stylos? Et ce sont des crayons. Exactement. Alors, on va commencer par un tout nouveau leçon, leçon 5. On va commencer par la traduction de français en polonais. On va commencer par le lire, tu vas le répéter et puis on va le traduire. Ok? Quelle est votre nationalité? Quelle est ta nationalité? Vous êtes d'où? On répète. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Vous êtes d'où? Vous êtes d'où? On va traduire. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Jakiej jesteś narodowości? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité? Jaka jest twoja narodowość? Vous êtes d'où? Et vous êtes d'où? Skąd jesteś? Ok. On continue par l'application des adjectifs. Disons, quand on dit l'italien ou l'Italie, l'italienne, l'Italie, l'italien. On continue avec d'autres pays. La Tunisie, tunisien. Tunisie, tunisien. L'Espagne. L'Espagne. Espagnol. Espagnol. Allemagne. Allemagne. Allemand. Allemand. Allemagne. Allemagne. Allemande. Allemande. La Chine. La Chine. Chinois. Chinois. La Chine. La Chine. Chinoise. Chinoise. Tu comprends? Oui. Okay. Je vais juste lire quelques phrases. Quelle est votre nationalité? Je suis rwandais. Quelle est ta nationalité? Je suis canadien. Tu comprends? On continue avec des questions. Quelle est votre nationalité? Je suis polonais. Exactement. Tu es de quelle nationalité? Je suis polonais. Vous êtes d'où? Je suis de Pologne. Exactement. Est-ce que tu es polonais? Oui, je suis polonais. Est-ce que vous êtes... est-ce que tu es australien? Non, je ne suis pas australien. Je suis polonais. Exactement. Est-ce que vous êtes allemand? Non, je ne suis... Est-ce que vous êtes allemand? Non, nous ne sommes pas allemands. Nous sommes français et polonais. Ok, on va répéter pour être sûr qu'on a bien révisé.
Quelle est votre nationalité? Mon nationalité. Je suis polonais. Tu es de quelle nationalité? Et je suis polonais. Vous êtes d'où? Et je suis de Pologne. Est-ce que tu es polonais? Et oui, je suis polonais. Est-ce que vous êtes allemand? Et non, nous ne sommes pas allemands, nous sommes français et polonais. Exactement. On continue avec l'application de en, au et au avec x à la fin. Alors on utilise au, a, u pour masculin. O, a, u, x pour pluriel. Et puis en pour féminin. Pour féminin. O, o, en. O. 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 Ah, ok. O. Et... On va répéter quelques mots. Je suis à Paris. Tu es en Italie. Elle est au Canada. Nous sommes à Varsovie. Vous êtes en Europe. Ils sont aux États-Unis. C'est compréhensible. On répète. Je suis à Paris. Je suis à Paris. Tu es en Italie. Tu es en Italie. En Italie. En Italie. Non. Elle est au Canada. Elle est au Canada. Le Canada au Canada. Au Canada. Nous sommes à Varsovie. Nous sommes à Varsovie. Vous êtes en Europe. Et vous êtes en Europe. Ils sont aux États-Unis. Ils sont aux États-Unis. On continue, je vais juste lire quelques phrases. Est-ce que tu es en France? Oui, je suis en France, à Marseille. Ou non, je ne suis pas en France, je suis au Portugal. On va lire une autre phrase. Est-ce que le Grand Canyon est au Canada? Et non, Grand Canyon n'est pas au Canada. Grand Canyon en... Le Grand Canyon. Le Grand Canyon aux États-Unis. Exactement. On continue avec des questions. Est-ce que tu es en Belgique? Et non, je ne suis pas en Belgique, je suis en Pologne. Exactement. Est-ce que vous êtes en Espagne? Et non, je ne suis pas en Espagne, je suis en Pologne. Est-ce qu'elle est en Angleterre? Et non, elles ne sont pas... Elle n'est pas en Angleterre, elle est en France. Exactement. Est-ce qu'ils sont aux États-Unis? Et non, ils ne sont pas aux États-Unis, ils sont en France. Exactement. Est-ce que tu es en France? Et non, je ne suis pas en France, je suis en Pologne. Alors, on va juste répéter pour bien réviser. Est-ce que tu es en Belgique? Et non, je ne suis pas en Belgique, je suis en Polonais. Est-ce que vous êtes en Pologne? Et oui, nous sommes en Pologne. Est-ce qu'elle est en Angleterre? Et non, elle n'est pas en Angleterre, elle est en France. Est-ce qu'ils sont aux États-Unis? Non, ils ne sont pas aux États-Unis, ils sont en France, en Belgique. Est-ce que tu es en France? Et non, je ne suis pas en France, je suis en Pologne. Ok, on va continuer avec la traduction français-polonais. Étranger. Étranger. Étrangère. Étrangère. Parisien. Parisien. Parisienne. Parisienne. On continue avec des questions. Où est la France? Et la France est en Europe. 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 Est-ce que vous êtes polonais ou islandais? Et je suis polonais.
Est-ce que Varsovie est en Pologne? Et oui, Varsovie est en Pologne. Est-ce que Rome est en Grèce? Et non, Rome est en Italie. Ou non, Rome n'est pas en Grèce. Mais Rome n'est pas en Grèce, Rome est en Italie. Exactement. Est-ce que tu es étranger? Et non, je ne suis pas étranger. Est-ce que vous êtes étrangère? Et non, je ne suis pas étrangère. Une autre question. Est-ce que il est étranger? Et oui, elle est étrangère. Il est étranger. Est-ce que elle est étrangère? Oui, elle est étrangère. Exactement. Alors, on continue avec des questions. Est-ce que tu es parisien? Et oui. Et non, je ne suis pas parisien, je suis polonais. Est-ce que vous êtes russe? Et non, je ne suis pas russe, je suis polonais. Où sommes-nous? Et nous sommes en Pologne. Tu es d'où? Et je suis en Pologne. Tu es d'où? Je suis de Pologne. On continue avec la traduction. Français, polonais, j'habite, tu habites, il habite, elle habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. On répète, j'habite, tu habites. Il habite. Elle habite. Nous habitons. Vous habitez. Ils habitent. Elles habitent. On traduit. J'habite. Et traduction. J'habite. Mieszka. J'habite. Oui. Tu habites, ty mieszkasz. Il habite, on mieszka. Elle habite, ona mieszka. Nous habitons, my mieszkamy. Vous habitez, wy mieszkacie. Ils habitent, oni mieszkają. Elles habitent, one mieszkają. Exactement, je vais juste lire cette phrase. D'où venez-vous? Je viens du Rwanda, mais j'habite en Pologne. À but gauche. On continue avec les questions. Où est-ce que tu habites? J'habite en Pologne. Où habitez-vous? Nous habitons en Pologne. Exactement. Est-ce qu'elle habite à Lisbonne, à Madrid? Et elle habite à Lisbonne. Exactement. Est-ce que vous habitez en Europe? Et oui, j'habite en Europe. Exactement. Où habites-tu? Et j'habite en Europe. En Europe. On continue avec des questions. Michel est australien. Et oui, Michel est australien. Il est australien. Claire est canadienne. Oui, Claire est canadienne. Est-ce que Marie est parisienne? Oui, Marie est parisienne. Est-ce que vous êtes étranger? Et non, je ne suis pas étrangère, je suis polonais. Exactement. Où habite-t-il? Ils habitent en France. Exactement. On va juste répéter ces questions pour qu'on révise mieux. Où est-ce que tu habites? Et j'habite en Pologne. Où habitez-vous? Nous habitons en Pologne et en France. Est-ce qu'elle habite à Lisbonne ou à Madrid? Elle habite à Madrid. Est-ce que vous habitez en Europe? Et oui, nous habitons en Europe. Où habites-tu? J'habite en Europe.
Michel est australien. Et oui, Michel est australien. Claire est canadienne. Oui, Claire est canadienne. Est-ce que Marie est parisienne? Et oui, Marie est parisienne. Est-ce que vous êtes étranger? Et non, je ne suis pas étrangère. Où habitent-ils? Ils habitent. Ils habitent en France. Exactement. On continue avec la traduction français-polonais. Ici, Et ici. maintenant, d'ici. On répète. Ici, Ici, maintenant, maintenant, d'ici. d'ici, On va traduire. Ici, ici, tout à l'heure, maintenant, maintenant, terrasse, d'ici. d'ici, tente. On continue avec des questions. Où est-ce que tu habites? J'habite en Pologne. J'habite ici. Ah, j'habite On va ici. utiliser Ah les oui, mots. j'habite ici. D'où venez-vous? Je viens de Pologne. Est-ce que vous êtes d'ici? Oui, je suis d'ici. Exactement. Où es-tu? Je suis ici. Maintenant, Maintenant, je suis ici. ici. Ou en Pologne? En Pologne. Où habitez-vous? J'habite ici. Et j'habite Où en... habitez-vous? Et nous habitons à Paris. En Pologne. Oh, à Paris, oui, En Pologne. ça fonctionne aussi. Oui. Ouais. Okay. On a trois façons de poser une question. Je vais te donner un exemple. Es-tu polonais? Est-ce que tu es polonais? Tu es polonais? Toutes ces trois phrases sont des questions. Et tu peux les poser de la même façon. Es-tu polonais? Est-ce que tu es polonais? Tu es polonais? On répète. Es-tu polonais? Es-tu polonais? Est-ce que tu es polonais? Est-ce que tu es polonais? Tu es polonais? Tu es polonais? Exactement. On continue. Où habitez-vous? Où est-ce que vous habitez? Vous habitez où? On répète. Où habitez-vous? Où habitez-vous? Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous habitez? Vous habitez où? Où Vous vous habitez habitez où? où? Exactement. On prend la troisième phrase. D'où venez-vous? D'où est-ce que vous venez? Vous venez d'où? D'où venez-vous? D'où venez-vous? D'où est-ce que vous venez? D'où est-ce que vous venez? Exactement. Vous venez d'où? Vous venez d'où? Exactement. C'est une forme de demander la même question dans trois différentes façons. C'est la même question. Alors, c'est la fin de notre leçon. Je veux te donner quelques mots qu'on a appris dans cette leçon pour que tu puisses former une phrase ou me demander une question. Ok? Le premier mot, c'est habite. Tu habites tu Où est-ce que... où est-ce non tu habites ici Oui, j'habite ici. Oh. Une autre question. Tu habites en est-ce que tu habites en Pologne? Oui, j'habite en Pologne. Étranger. Et est-ce que tu es étrangère? Étranger. Étranger? Étranger. Oui, je suis étranger. Lecture. Lecture. On va continuer avec la lecture. Lecture. Ok. Alors, on va continuer avec la lecture depuis leçon 1. Et c'est toi qui vas faire la lecture. Et je vais te corriger si je peux. Et prénom, nom, quel est votre, quel est ton prénom et nom. Quel est ton prénom? Mon prénom est Paul. Quel est votre nom? Mon nom est Durand. Quel est votre prénom? Mon prénom est Anne.
Je m'appelle, tu t'appelles comment? Salut. Salut, je m'appelle Sylvie. Salut, je m'appelle Paul. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Paul. Comment vous appelez? Mon nom est Breton. Comment allez-vous? Et comment vas-tu? Très bien, merci. Salut, salut. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Comment vas-tu? Bien, merci. Comment ça va? Ça va, tout va bien, pas mal. Et salut, comment ça va? Et ça va bien, merci. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Tout va bien, pas mal, merci. Je, et tu, et il, elle, nous, vous, il, elle. Je m'appelle, tu Je. t'appelles. Je m'appelle, tu t'appelles, il, elle s'appelle, nous nous appelons, vous appelez, il, elle s'appelle. Et salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Anne. Comment vous appelez? Je m'appelle Anne-Marie. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Isabelle. Comment vous appelez? Nous appelons Pierre et Jacques. Comment je m'appelle? Tu t'appelles Marie. Comment nous appelons? Vous appelez Claude et Alain. Enchanté, enchanté. Ravi de vous connaître, ravi de vous connaître. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Anne et vous? Je suis Paul, ravi de vous connaître. Je suis Marie, enchantée. Je suis Anne, ravi de vous connaître. Je suis Pierre, enchanté. Salut, bonsoir, bonne nuit. Non, bonne nuit. Bonne nuit, au revoir. À bientôt. Salut Caroline, je suis. Salut Pauline. Pauline, à bientôt. Bonsoir Claude, bonsoir Alain, bonne nuit. Au revoir Sophie, au revoir Paul. Bonne nuit Anne, bonne nuit Marc. Salut, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Anne. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Mon temps sans vôtre. Quel est votre ton prénom? Mon prénom est Brigitte. Quel est ton prénom? Mon prénom est Pierre. Quel est mon prénom? Ton prénom est Marie-Claire. Quel est son prénom? Son prénom est François. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Numéro de téléphone 0 double. Quel est ton numéro du téléphone? Mon numéro du téléphone est le 5, 4, 6, 7, 8, 9, 3, 5, 2. Quel est votre numéro de téléphone? Mon numéro du téléphone Deux. est le téléphone est le 4, 2, 5, 1, 7, 6, 4, 8, 9. Quel est son numéro de téléphone? Son numéro du téléphone est Deux le téléphones. 2. Deux, pas du. 2. Deux. 2 Deux. téléphones. Ah, ok. Deux. Téléphone est le. Et 5, 2, 4, 8, 5, 3, 9, 1, 7. Quel est ton numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone est le 6, 1, 9, 0, double 3, 7, 8, 5. Exactement. Ok, merci. Merci. I do zobaczenia do następnej lekcji.